Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau Let's Play, ce premier épisode de Let's Play sur Monster Hunter 3 Ultimate sur Wii U. Je commence tout juste, je n'ai rien fait à part télécharger le DLC. Donc, petite note quand même, pour ceux qui ne connaîtraient pas l'univers de Monster Hunter. Donc, eh bien, Monster Hunter, donc chasse aux monstres. On démonte du monstre, on se fait du stuff, et on n'en parle plus. Grosso modo, c'est ça. La vie d'un chasseur de monstres. Mouah. Donc, eh bien, pour ce let's play, je prévois de vous proposer en fait, tout ce que je jouerai. Ah, et pourquoi j'ai pas le droit de mettre tout mon pseudo? Alors là, vous voyez pas, mais en fait, je suis en train de marquer mon pseudo. On est limité sur la taille du pseudo à 10 caractères. C'est ignoble. Alors, l'ODRGNFR, est-ce que ça le fait ou pas? Peut-être pas trop. Qu'est-ce que vous en dites? Ah, c'est moche. L'ODRGNFR. Ça, c'est dégueulasse. Blue Dignifier. Bon, c'est déjà mieux que sur Tri, où on pouvait juste mettre deux caractères en moins, en fait, c'est juste pas possible. Alors, donc, ce petit personnage, comment on va l'habiller? Pas tout ça, hein, mais... Ah, attends. Ah, putain, je me disais que je suis Miro, putain, je vois pas la différence. Ouais. C'est pas comme si j'avais trop le choix. Ah, on peut changer la couleur. Ah, ça m'intéresse plus déjà. Les deux derniers ne me plaisent pas trop. On va peut-être rester sur ça et on va. Alors, qu'est-ce qu'on peut changer en couleur? Moi, je veux tout savoir. Bzzup. 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 Ah, je peux choisir la couleur. Allez, couleur. Oh là, ça se met, mais. D'une lenteur. Tout bleu. Yeah. On s'en serait pas douté. Paf. Paf. On va commencer comme ça. Alors, visage. Je voudrais un zoom avec Y, s'il vous plaît. Voilà. Mais tu m'as l'air un peu pixelisé du village. Du visage, oula, du village. Voyons. On a tout perdu, là. On va éviter les têtes de... chinois, une tête normale. Ah, il est pas content celui-là. La 10 me paraît la plus appropriée. Entre 2, 6, 10. Ça fait un peu tête standard. Attends, on va prendre le 10. Qu'est-ce que je peux changer là-dessus? 100, couleur. Il sait que ça! Il sait que ça! Mon dieu! Qu'est-ce que ça? Il sait que ça! Mais à quoi ça sert? À quoi ça sert? Je suis un peu fatigué. J'ai des cernes. Bon, on va faire ça, d'accord hein. Coiffure. Ah, c'est le Pratalos. À mon avis, j'ai déjà ma coupe. La coupe 2. Concentration. Oh là là. Coupe 2, on est parti. Cheveux. C'est le cheveu blanc encore. Alors voyons si on peut avoir un bleu un peu plus joli. Parce que moi bleu partout, hein. Voilà. Un bleu qui pète. Tiens, un bleu à peu près...
Après, comme la petite mini-veste que j'ai. Ah. La voix, alors là. Oh. Alors, pour l'instant, la 3 ou la 19, je crois. Allez, oui, je sais, je passe beaucoup de temps à écouter les voix. Et même suivre tout le long du jeu, et je peux vous dire qu'on va en faire des épisodes. Vous allez devoir me supporter très longtemps. Alors, 3 ou 18? Je vote les 18. Alors, est-ce qu'il me la prend? Ouais, peau. La peau de Buzz m'allait très bien, je pense. En fait, elle est vachement blanche. Peut-être pas trop foncée. Putain, on voit direct la différence entre l'avant-dernier et dernier. Donc, pouf, paf. Blanc, bien blanc. Ça rigole pas. En fait, le cran juste avant, ça me... Attends, sans le zoom, ça donne quoi? Et quand je mets complètement blanc, wesh. Complètement blanc, ça donne ça. C'est vrai que c'est bien blanc. Hein. Comme ça, allez, elle va comme ça. Le réglage initial de la zone tactile, alors, standard dynamique. Synthétiser, marqueur, dynamique. J'ai la map et j'ai plus rien avec. Ah ouais, non, standard. Hein. Parce que sinon, on risque pas de voir grand chose. Vous risquez pas de voir ma vie ni rien. Ça serait un petit peu con-con. Allez, on est parti. On est parti. On est parti. Donc, Monster Hunter 3 Ultimate. Remake du Monster Hunter 3 qu'il y avait sur Wii, mais sur Wii U. Je vous laisse. Regardez cette petite intro. Thank you.
Et voilà, semble-t-il que c'était l'intro juste avant d'arriver au village. C'est exactement la même intro que pour Monster Hunter Trick sur Wii. Je pense qu'ils sont pas trop foulés là-dessus. Alors, nature la forêt, la mer, notre château, un bon château, on dit, la vie à Mogaf et les muscles, les forges. Ok, au sens propre du terme, vous avez entendu parler du Lagiacrus. C'est un gros sommet dangereux qui a laissé s'installer dans le village. Sans parler de ramener une bonne pêche. On n'aura pas de faim. C'est mort. Santisescus, qu'est-ce qui cause et pourquoi la mer est furieuse, croyez-moi. C'est plus vous donner de la tête, c'est vous donner. Village Moga a besoin d'un chasseur. Oui, j'ai cru c'est puissant, trop puissant pour qu'un homme s'y frotte, comme on dit au village. D'accord. Forcément, les suites sont de. Et sinon, à part nous raconter ta vie, un jour. Alors. Ouais. Ah oui, j'ai bien envie de lui refaire les fesses là, mais peut-être pas pour l'instant, vu le stuff que j'ai, en parlant des jeunes. Oui, je suis pas junior, et puis rien à trouver. Premier paiement. Ah oui, donne-moi de l'argent. Allez, exactement. Alors, attendez, c'est le temps de me faire au bouton. Ah non, pas deux fois. Mais non, non. D'accord. J'ai envie de nous enchanter, blablabla, présumé, voilà. En gros, c'est avec elle qu'on va demander les quêtes de la guilde. J'aimerais bien te parler. Éviter de te parler 36 000 fois quand même. Ce serait un peu dommage. Salut. Si vous voulez aller dans la forêt, traverser ce pont. Je suis posé demander la permission. Non, mais je dis pas quoi faire, wesh. Les shops d'équipement qui est juste à côté. Sœur pour aiguiser les lames, blablabla. Aiguiseur placé en bourse. Alors. Bourse à objet. D'accord. Alors. Qu'est-ce que. Bah, je vais où, moi? Je vais aller faire un tour. Alors, par là, c'est par où? Va à la ferme. On va faire un petit tour là-bas déjà pour commencer. Salut. C'est le chasseur dont tout le monde parle. Oui, c'est un... Oui, tout le village Mogan. Sac de fermier. Rempli de félines avec des miaou miaou et des nia nia. Tremblant de terre, les a tellement effrayés. Pour ça que les champs ça. Après pas mal. Sire gruit cochon. Il veut parler du petit cochon qui est sur la droite des codes. Voilà ce qui reste de le ciel. Il semble que c'est un bon champion. Il faut essayer autre chose. Prenez-le et préparez quelque chose. Semble-t-il qu'il faut de l'herbe? J'ai pas l'impression qu'on puisse faire autre chose. Alors, il m'a donné uniquement du champi bleu. Soit. Chargement. Chargement n'a pas l'air trop long. C'est déjà pas mal. Qu'est-ce qu'il y a par là? Alors là, c'est de. Probablement pour la pêche, les deux quais qu'il y a ici. Eh ben, je pense que j'ai pas trop le choix et que je vais devoir m'aventurer en terre ennemie. Pas trop ennemie, mais bon, on y va quand même. Chargement. Oh, chargement. Bonjour, mon tonti. Vous devriez rencontrer mon fils junior et d'autres encore. Que vous y serez. Vous voyez la carte là-bas sur l'écran. Le triangle rouge indique votre position. L'école blanche. C'est le camp de base. C'est qu'un. Blablabla. Il y a le bouton R, blablabla. Le bouton R pour changer. Alors, Y et A. D'accord. Oui. La première map du jeu. Ah, je dois vous dire de moi. La stamina. Donc la barre jaune qui se vide quand on fait des actions. D'esquive, plutôt que de regarder tout, donc d'esquive et de course et de parade avec les armes. Alors regardez autour de vous, bouton L pour recentrer la caméra, qu'on reste pas appuyé dessus, sinon c'est les objets. Et pour sprinter R, je vais vous apprendre à chasser avec le Wii U Gamepad. Vous voyez les fenêtres, mais là je peux pas trop vous montrer. Ouvrez le menu avec le bouton 1 puis personnaliser. C'est le bouton être sans fenêtre. Hein. Sans effect. Ah
D'accord. Parce que je regarde en fait en même temps sur le gamepad. C'est vrai que c'est un petit peu mort derrière. Là, je suis en train de toucher le gamepad, même pas manette, pardon. J'ai l'impression de l'éviter là. Et voilà. En gros, j'ai un menu qui me permet de combiner des objets et de faire des signals quand je joue en multijoueur, surtout. Je pense que c'est utile. Et de regarder ma bourse. Ce que j'ai dans mon inventaire sans regarder sur l'écran, mais je pense que je vais éviter de le faire de manière à ce que vous voyez le maximum d'informations. Alors, X pour frapper, pas mal, vous me pensez. Hein. Utilisez votre talent de dépeceur. Piste d'objet, hein. Merci. Vous devriez avoir. Ouais. Oui. Paf. Je te fais la gueule. Alors, pour. Dépecer que je vois la touche parce que là je vois rien du tout. C'est A. Donc je me baisse avec B. Alors, donc normalement le monsieur qu'on doit chercher se trouve par là-bas. Je suis un peu désolé si je parle du nez, un petit peu enrhumé. Alors, donc le camp. Pour l'instant, les choses à faire semblent être identiques que dans Monster Hunter 3, jusqu'à maintenant. Bon travail, blablabla. Il est plus. C'est pas timide. Allez dire bonjour à Junior. Alors, Junior. Salut, Junior. Écoute, Junior, tu veux me dire quoi? Je suis Jun, le fils du chef. Demandez certainement ce que je fais. C'est vrai. C'est votre camp de base où ça l'était. C'est plus trop. Je patrouillais. Je suis venu voir un peu. Enfin, une base ici. Désolé. C'est la tente. Le tronc de terre a tout détruit. Nous allons devoir tout réparer. Ah, c'est mélo. Je vais retourner au village. Enfin, d'abord, vous auriez un truc à grignoter. Vous avez de la viande crue. Je suis champion du BBQ. Ouais. Est-ce que vous pouvez me la donner, s'il vous plaît? Merci! Je réfrigère, donne des gars, oui. Vite un BBQ à table. C'est bien chasseur de bras, hein. On se voit là-bas. Vous avez donné de la viande crue. Retourne au village. Oui, messieurs, j'ai retourné au village. Alors, est-ce que je peux le faire à partir d'ici? Non. Je dois me cogner le chemin à pied. C'est génial. Avez porté la ravivoire? Je savais qu'il faisait de la télépathie, celui-là. Je pense qu'il est grand temps que vous retournez au village. Ah oui, revenir à la zone 1, oui, c'est exactement ce que je disais. Alors je suis désolé si on voit les astuces et tout, je sais que le début de jeu est un petit peu chiant, mais voilà, j'ai envie de dire, faut tout ce qu'on passe par là, et pour ceux qui connaissent pas le jeu, je pense que c'est bon à faire. Donc vous voyez la barre de stamina diminue. Et dès qu'elle est trop basse, qu'elle atteint le rouge, je ne peux plus courir correctement et je vais m'affaler comme une grosse merde. Vous avez réussi. Appuyez sur le bouton A. Mais merci, je sais faire un bordel. Doum, doum. Alors, chargement. Ta-da-da-ta-ta. Non, 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 moi je repars par là, moi. Salut, alors on se téléporte. Merci pour la viande. Et pardon, j'ai éternué. Alors, merci pour la viande chasseur, j'ai besoin de manger toutes les 2 heures. Il s'invente ce mec. On devrait bien s'entendre. J'ai fini de faire la liste de tous les composants qu'il nous faut pour réparer le combat. Creuser de nouvelles latrines, reconstruire la tente, épouiller le lit, on a besoin de beaucoup de ressources. Vous pouvez augmenter nos ressources en chassant des monstres dans la forêt Moga, on trouvera les bons objets. Où les villageois ne peuvent pas aller loin, on se tous aime bien. Cru. Ah, elle était bien bonne celle-là. Je suis comme vous, peut aller partout dans la forêt, croyez-moi. Et vous reviendrez chargé de ressources. Ne vous inquiétez pas, on a réparé les routes après le séisme, allez chercher des ressources dans la forêt, d'accord? Il n'y avait pas la nuit. Les invisibles. Ah bon? Les fantômes là-bas. Contentez-vous de chasser le jour. Je vais oublier, j'ai quelque chose pour vous. Prenez cette broche BBQ. Ouais, j'ai hâte de l'utiliser. Allez faire un. Il adore les rapports. Oui, monsieur. Rapport de chasse. Moi, j'ai gagné un point.
Ouais, un point. Ah, semble-t-il que ce qu'on m'avait dit, je me suis empressé d'aller prendre le DLC pour voir tous les éventuels bonus. Et apparemment, à ce qui paraît, le DLC donne les fameux 5000 points que j'avais déjà. Demande de villageois. Mais écoute, on est parti. Père avait raison, la vie du villageois et les ressources. Donc les ressources permettent de faire des choses. Ouais, j'ai réalisé ça comme ça pour le village, visiblement. Notre carnivore qui est le chef. Attendez. Parler de l'amélioration des armes. Le monsieur qui est derrière, qui a un gros marteau, c'est pour les armes. Salut, tu veux peut-être parler un coup? T'as envie de raconter ta vie? Si vous voulez chasser dans un village, vous allez avoir besoin de mon aide. Oui, je sais. Améliorons un peu votre arme, ça vous verra de quoi il s'agit. Arrêtez de sourire. Essayez de rechercher les matériaux pour l'équipement. Donc voilà, c'est exactement ce que je disais donc au début de cette vidéo. Avec des composants de mousse, de monstres, nous serons capables de faire des armes. Peut-être pas forcément des composants de monstres, mais aussi du minerai, parce qu'on peut à la fois péter les monstres, mais aussi piocher. Et récupérer des insectes. Et récolter des herbes, tout ça, j'en passe. Mais moi, j'ai pas forcément envie de commencer avec ça, mais plus avec un marteau. Un cristal de terre, un minerai. Ah, merde, ça m'emmerde. Cristal de terre, minerai de fer. Je sais pas si je fais ça tout de suite au début. Alors on verra bien. Peut-être au début, je vais peut-être rester avec ça. Ah, la différence de puissance quand même est flagrante. Mais c'est normal. Entre une arme rapide et une arme lente et bourrine, quand même la différence. Bon, on va voir ça après. On va faire notre rapport à Bob. Alors, on se la coule douce. Vous voyez, je sais que vous trouvez les ressources. On va parler du minerai de fer. Celui-ci est le pire de tous. Les badass, c'est petit plus de fois qu'il est. Son œil d'artisan est infaillible. On va voir ce qu'il pense de vous. Au fait, vous avez vu un feu brûler? Oui, vous devriez le regarder plus près. Pour se brûler la gueule. J'ai un petit quelque chose pour vous remercier, maintenant, voyons. Oh, trop aimable de l'argent. Ah, je peux peut-être m'acheter quelque chose avec ça. J'aime pas regarder le stuff que j'ai. J'ai quoi comme équipement? Ah, stuff en cuir. Je sais plus s'il y avait de l'équipement quand on commençait comme ça. Ah ouais, peut-être. Bah, pire, je reste avec ça au début, hein, écoute. Est-ce qu'on a le droit à quelque chose? Qu'est-ce qu'un alliage? On va peut-être éviter d'utiliser tout ce qui est minerai dès le début, même si on n'a pas encore croisé, hein, c'est juste comme ça. Alors. Si je dis pas de bêtises. Attends, je vais vérifier qu'il n'y a pas d'autres demandes. Liées au village. Rapport de chasse. Non, information. Ouais, j'ai l'impression qu'il faut que. Attendez. Je vais voir la madame de la guilde. Qu'est-ce qu'elle me dit? Malheureusement, voilà, la guilde n'a rien envoyé. Ouais, il va falloir que je retourne. Faire ma vie, village Moga, c'est génial. Mais c'est reparti. C'est reparti. Je vais faire ma vie. Chercher le minerai de fer. La grotte de la zone 4 regorge de minerai. C'est bon à savoir. Appuyez sur le bouton A. Ouais. Mais on m'a donné une pioche. Ah ouais. Je suis con. Oui. Et bah comme je suis une noire de poisson rouge, en fait j'ai déjà oublié ce qu'il m'a dit. Ce qui est génial. Info joueur, blablabla, base et commandes. Mais visiblement, je peux aller me les mettre là où je pense. Je sais pas. Non. Je crois que c'est en quête. Mais je vais passer d'abord au camp. Parce que c'est peut-être là qu'il faut aller avant. Mais vous n'êtes pas bien. Il y a des pioches. Ouais, tu en as passé une alors. Pourquoi je ferais ça? Hein, m'explique. Tu m'expliques?
Alors visiblement j'ai accès à plus de zones maintenant. Ce qui est déjà pas mal. Alors est-ce que j'ai quelque chose à faire ici? Ou alors est-ce que je suis obligé d'aller chercher du minerai? Visiblement je crois que j'ai pas trop le choix. On va taper dans le minerai. Donc, forte chance que ce soit dans la zone 4. Tiens, je vais en profiter. Il me reste une viande crue. Alors je vais sortir ça. Voilà, je me fais un steak. M'en fous. Non, il vient de brûler. Non. Et voilà, ça y est. J'ai plus le timing. Parce qu'il faut un timing. Faut faire des steaks qui permettent de booster la stamina. Si je pouvais vous montrer, ça serait bien. Parce que la limite de santé de stamina peut être plus grande que ce que vous voyez en haut. Santé étant en verte et la stamina en jaune. Tant que j'y suis concernant ce qu'on appelle le HUD. Mais attends, toi tu pars pas avant que j'explique là. Toi tu restes là, je t'en fais la gueule. Voilà. Donc, en haut à gauche, la petite boule avec un symbole illimité. Normalement, c'est le temps de quête, si je dis pas de bêtises. Donc, les barres que je vous ai déjà expliquées. Ce qui est en dessous, la barre jaune, qui ressemble à une épée. Avec une couleur, c'est le tranchant de l'arme, qui peut avoir différentes couleurs, parce que ça peut percer plus ou moins, on va dire ça comme ça. C'est aussi lié aux dégâts en grande partie. Pour l'instant, on va arrêter, on va pas aller plus loin. En dessous, donc mon nom, avec le type d'arme que j'utilise, éventuellement. Si je joue en multijoueur, il y a d'autres noms qui s'afficheraient. Et sinon, la petite barre à gauche, c'est la barre où on fera des combats aquatiques. Parce que on peut faire des combats aquatiques. Oui, messieurs. Ceux qui jouent à Monster Hunter 3 le savent déjà. Et voilà, je préfère vous le dire, c'est sympa, oui. Alors, bien, vous devriez trouver du minerai. Suivez la lumière. Oui, je sais comment me déplacer dans les HV. Donc à droite, vous avez remarqué la carte, hein, je vais pas vous la rappeler. Et en bas à droite, donc les objets que je fais défiler avec leur nom. Tout simplement. Alors, il paraît qu'il y a des failles. Ça m'intéresse. Je veux pas dire, mais c'est un peu sombre, sa fille. J'adore courir contre les murs. Ça aurait été ainsi, vous verrez l'icône de minage. Vous avez appuyé sur le bouton A. Bouton A. On est parti. Beau travail. Lequel apporter? Oui. Sauf que moi je vais pas en prendre qu'un seul. Parce que ça me sert pour les armes. Et comme j'ai mis des pioches, c'est pas un truc de PD. Alors, je vais voir s'il y en a d'autres. Je vois rien du tout, je me balade partout et j'aperçois qu'il y a quelque chose au-dessus de moi. Effectivement, il y a un truc en train de me courir sur la gueule. Je m'en fous, je vais miner, je m'en fous de toi. Alors, est-ce qu'il y a autre chose? Visiblement, j'ai pas l'impression qu'il y ait d'autres failles. Ben, merde, forcément, faut que je passe par là. Bon, ben, je vais continuer dans ma. Non, je vais pas continuer dans ma connerie, ça serait trop bête. Je vais retourner au début. Tiens, je vais tenter de manger une viande brûlée. La viande brûlée permet des fois de régénérer la stamina, mais des fois ça peut aussi les diminuer. Et oui. C'est normal en soi. C'est pas forcément bon. Et voilà. Pourquoi je passe par là? Pourquoi je passe par là? Je suis con. Oui, je suis con. Oui, monsieur. Oui. Mais si. J'ai pas pensé, mais j'ai toujours pas fait mes putains de steaks. J'en ai trois. Bon bah.
Mais non! Toujours pas sous du timing. Le steak saignant, contrairement à la viande brûlée, elle, permet d'ingérer toujours un cran de stamina en plus. Oui! Voilà, ça s'ingère deux crans, et alors là je peux vous dire, ça rigole pas là. Pour l'instant, on va les garder, parce que ça nous sera utile pour. Après. Presque ça. Ouais. Les vigilages. Non. Je veux rien savoir. Hop. Je veux rien savoir. Je me moque. Dida, dida, titou. Dida, dida, titou. Dida, dida, titou. Oui. Village. Oui. Alors, tu vas peut-être me dire quelque chose, non? Rapport de chasse. Donne-moi mes deux points. J'ai très hâte d'avoir mes deux points. Viande crue et bouse. Pour l'instant, je vais laisser ça. Hop. Alors, création arme, amélioration. Donc, ce que je voulais faire. Le cristal de terre, forcément. Et oui. Oui, monsieur. Oui. Épée de fer. À la limite, je peux jouer la grande épée. Ce sera un bon début, mais je dois avouer que le cristal de terre sera un peu plus. En arbalète, je pense pas que ce serait très intéressant, let's play, de jouer en distant. Ou y voir du bourrinage, non? Je pense que ce sera plus sympathique si on est sur des armes. Des armes de mêlée. Bonjour. Voilà. Oh, la guitare. Mais non. Pourquoi? Je suis vraiment obligé d'améliorer une arme avant d'y aller. Et... Bonjour, monsieur. Bon bah. Ben non. Ouais, bien écoutez. Je pense que pour ce premier épisode de Let's Play, on va s'arrêter là. Donc, je vous remercie d'avoir regardé ce petit début de Let's Play, ce premier épisode. J'espère qu'il vous aura plu. J'espère que vous m'en voudrez pas trop d'être un peu enrhumé. Je parle un peu du nez, je suis désolé. Et voilà, j'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à aimer, partager et tout ça, quoi, wesh. D'accord. Donc, je vous dis à bientôt, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, tchou tchou.